Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de Song of Horror en live sur Twitch. On va continuer l'aventure. J'ai énormément peur en fait de mourir et de devoir tout recommencer. Donc, ça va être notre petit objectif pour ce soir. Alors, attendez, que je me remette un peu. Alors je vais fouiller, je ne sais plus ce que j'avais dans mon inventaire. Donc j'avais cintre, machin, flacon. Ok. Donc là nous avions les casiers. Ah ouais, c'est le cintre. Si j'ai plus les cintres, est-ce que j'aime peut-être, mais je suis pas sûre. Je pourrais au moins aller. Ouais. Faut que je me réhabitue à ça. Mais j'ai rien pour. Il me faut un aimant. Un aimant que je n'ai pas. Je sais pas si je peux sortir. Il n'y a pas de clé. Mais en fait, Kanakis qui est complètement paumé. En fait, les clés sont là. Mais pour les récupérer, en fait, il faut que j'accroche un aimant à mon cintre. Mais il faut trouver l'aimant. Ouais, mais là, il y avait. Là, il y avait ça. Bon bah j'ai trouvé toute seule comme une grande fifi, c'est bien. Je. C'est con ça. Bof, c'est con. Oui non. J'ai trouvé. Non. Oui, on va avancer. Ah. Bon bah voilà. Appelez-moi MacGyver, tiens, du coup. Bah voilà. Parfait. Du coup, va pouvoir. On va quand même écouter. C'est bon. On réécoute quand même. Oh, il y a une autre porte là-dedans. Alors, voici la clé pour l'interrupteur que tu trouveras sur le comptoir du magasin. Ok, au cas où quelqu'un va accéder à la galerie d'exposition, ce sont les caméras de sécurité. Ouais, d'accord. Alors, date 22 août 1998, session journée, heure 19h, agent Redveld, je sais pas si je. Riedveld, Simon, incident. Donc, 8h51, le plombier de l'assurance est arrivé et a réparé le tuyau qui fuyait. J'ai signé le formulaire de l'assurance. 10h22, un colis a été livré au bloc 2, appartement 3B. Il n'y avait personne. Il est conservé un peu temporairement dans le bureau du concierge. Midi 06, on interroge M. Isaac Farber concernant l'incident qui a eu lieu pendant la nuit. Il a l'air confus et ne sait pas de quoi je parle. Il est bouleversé et pose beaucoup de questions. Je lui ai proposé d'appeler un docteur, mais il m'assure qu'il va bien. Pardon. 15h17, un vendeur de porte-à-porte a essayé de rentrer dans la cour interne. Je lui ai ordonné de quitter le bâtiment. Très bien. J'ai fait tomber une canette et elle a explosé. C'est un. Ah, en effet. Je peux comprendre. Toujours des portes.
Poignée de manivelle. Très bien. Ok, une cachette. Ah! C'est... des toilettes, quoi. Une bouteille pleine de liquide antiseptique. Très bien. J'ai pas bien vu le soutif, mais la madame est un peu plate pour ce que c'était, non? Bah, après... oh là 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 là, y a trop de bazar, y a trop de trucs. Y a un truc qui va me pop à la gueule, c'est sûr. J'aime pas trop cette zone en fait. J'ai acheté quelque chose dans la corbeille. Ah, d'accord, très bien. Ah, bah ça pour le. Le cadenas. Ça va bientôt faire une demi-heure, alors on va voir si on va trouver le cucu là. Pour l'instant, non. Bon, et ici? Est-ce que je peux utiliser ça? Je peux. Une clé. La clé d'appartement de papa, aussi vieille que ses goûts. C'est... en effet, ça peut servir. De récupérer. On sait jamais. Yes! Ah! Attends. Ah! Ah! Mais... putain, il va avoir encore les interactions cheloues, là. Je vous ai dit, une demi-heure. Bah, ici, je peux pas m'en servir. Ah. Si ma lumière est verte, on peut aller dans la salle d'exposition. Ah, oh, ok. Là, il y a un monsieur ou il n'y a pas de monsieur? Bon, on va dire que c'est bon. Ah, je ne peux pas écouter très bien. Bah oui, c'est trop épais. Je vois s'il y a quelque chose à récupérer ici. Et je me casse. Ok. Très bien. Le rôle de la caméra, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Bon bah... j'ai rien vu d'intéressant ici. On réécoute quand même, parce que moi il m'a chance. Hein. Voilà. Voilà. Bon, pour moi il n'y a pas de bouille. Hein. Nous progressons. Ah, il y a un truc là, il y a un truc sur le radiateur. Oh, un enregistrement. Nous pouvons faire... bah... bah, très bien. Ah, ça va peut-être... ah... on the light.
Le raconte, hein. Ok. Alors, papa, j'ai gardé une copie de la clé de la maison dans la vitrine de la salle d'exposition dans le puzzle chinois. Je l'aurais bien laissé dans le magasin pour toi, mais je ne fais pas confiance au concierge. Je t'ai écrit un rappel de la combinaison au dos de cette note, mais de façon cryptée, juste au cas où elle tombe dans des mains indiscrètes. Go Brizio, Erika. Je vais y écrire. Tu peux intégrer comme ça, même si tu notes. Bah, je... Je peux arrêter le live là? Pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est gigantesque. Ok. Je regarde dans le noir en plus. Ouais. Oh, il y a une table de Ouija, mon dieu. Enfin, une planche, quoi. Une Bible. Ah, une cachette. Malheureusement, j'ai raison. J'ai pas ton courage, Yana. Ok. Allez. C'est des choses bizarres. Hein. Encore tellement de trucs à faire. Je suis tellement au début. Ça me déprime. N'écoute pas la musique de la boîte. Ok. Oh. Il y a des monstres. Ah, c'est super. Au début. Oui, si je meurs, tu sais,
Bah, la dernière fois, je suis mort au deuxième personnage, j'ai dû recommencer tout l'épisode depuis le début. Donc clairement, si ça me refait ça, j'arrête le stream. Hein. Mais là, je crois qu'il y a le monstre. Prêtez-vous à ce que je crève. Non? Ils me disent qu'il y a un monstre ici. Bon, bah, c'est peut-être pas tout de suite là. Je ne sais pas. Yes. Plus de ça, t'es pas doué. J'aime bien ce jeu, hein, sinon, hein, mais... Oh, tu meurs comme ça. Ah! C'est très beau. Je dois dire que... C'est spécial. Une femme adulte sur ses photos, elle sourit. Ah, c'est peut-être sa femme, hein. Qui sait? Ok. Oh, mon sosie. Cher Isaac, j'espère que vous vous sentez mieux ou au moins un peu plus calme. Je sais désormais qui a fabriqué la boîte, mais il est mort il y a des années. Son nom était Argos le Grand. Les Grandes. Dès que j'en saurai plus, je vous ferai savoir. Je crois que la clé, c'est de renvoyer la boîte. Si vous avez la liste de la vente aux enchères où vous l'avez achetée, vous pourrez sûrement trouver son ancien propriétaire. Je crois que les choses se sont améliorées depuis que je vous l'ai renvoyé. Oui, j'en suis convaincue. J'espère que tout se passe bien. Sébastien P. Usher. Ok. Ok. Tiens, ta cuisine, vie. Tu l'as enfin. Des épices. Ok. Déjà, quand tu vois l'état du truc, la maison, elle est abandonnée à un moment, quand même. Alors, chère fille, j'ai essayé de ranger les clés pour toi. Celles sur la colonne de droite sont des vieilles clés. Je les garde juste au cas où. Les clés en métal, hein, sur les portes de sécurité du magasin et pour les serrures. Les clés carrées en or. Clés noires en plastique pour les appareils et les instruments dans le magasin. Les clés rondes et triangulaires en argent sont les copies que tu as faites pour la vieille vitrine. La clé verte et ronde en plastique pour ta moto. La clé rouge en plastique est pour le coffre. La petite clé en or est pour la petite boîte avec pour les trucs de ta mère. Les trois autres sont pour les salles de besoin et les armoires. C'est quand même papa. Ok. Bon, ça, on les a dans les notes si jamais on veut s'en resservir. La nourriture pour un animal. Ok, très bien. J'ai récupéré ça, je me demande quand même à quoi ça va me servir. J'ai tout fouillé ici, j'ai l'impression. J'ai peur. J'ai fait un screenshot. Voilà, ça c'est à prévoir. Attention! Hey, là, j'ai mieux géré, c'est pas trop rapproché. Alors. J'utilise ton petit code. Alors. En fait, comment tu sais ça? E représente le chiffre 14 et B le chiffre 11. Faut savoir, tu sais. Après, vite, mamie. 8, 5, 14, 2, 11. Et un truc. Apparemment, c'est un 0, mais ça me paraît logique parce que je ne sais pas écrire en chiffre romain. Casse-tête. Ouais! Génial! Ah! Et là, il me faut. On n'est pas dans Resident Evil.
Donc je ne peux pas, je n'ai pas de zone safe. Yes. Ah! J'ai un truc. Oh bah voilà, ils vont prendre. Hein. C'est quoi cette chose? Ah, c'est une clé avec un... Ah, monsieur Lé. En réalité, j'aime bien cet étrange porte-clés en forme de poulpe. Il est un peu moche ton poulpe. Hein. Ok. Ah, mais Erika, elle est Théo. Ah, attendez. Attendez. Il y a une info. Erika Farber, B4-3C. B4-3C. I'm a police officer. Il est pas beau, lui. Anyone in the house? Allez, fouillons. Erika vient me voir quand tu liras ça. Je n'ai pas pu trouver le luminol. Je crois qu'il est dans le petit meuble que tu as dû laisser. Mais tu as dû laisser la clé dans la poche d'un pantalon comme d'habitude. Mais tu la trouveras. Prends du peroxyde d'hydrogène. Rentre à la maison et mélange tout. Comme indiqué ici, 200 ml de stabilisant, peu importe la quantité finale à l'arrivée. 1 ml de ce machin. 150 ml d'eau distillée. Ok. Ah bah elle est là, le tas de vêtements. Le propriétaire est de question son mandat. Ouais, mais faut que tu fouilles, mon coco. Oh. Ah, on cherche une clé, c'est ça que t'es en train de me dire? Oh, il y a plein de clés. Un fantôme, un monstre, un démon, ma propre folie, elle doit quitter cet endroit, chez moi, dans les murs, de partout, hein, que j'aille les photographies, elles ne peuvent pas être réelles, est-ce que c'est moi, et Simon, je ne peux plus rentrer, il y a quelque chose au sous-sol, montre-les à Erika quand elle reviendra, ne pas descendre les escaliers. Ok. J'ai le screenshot. Pour les... Ah mais ouais, mais celle-là, je crois qu'elle ne sert à rien, attends. Une jolie tête sur le screen, tiens. Ah, super! De toute façon, j'ai une sale gueule de base, donc... Ah, mais... La dernière, la cinquième de la quatrième ligne. Voilà, hein. Il faut exclure toutes les clés sauf certaines. Ouais, il faut choisir des clés. Je veux juste prendre le tas de vêtements. Et après, je me casse. Hein. Il est où le tas de vêtements? Il est là. Non? Si, il est là. Là, il y en a un qui va pop parce que j'ai trouvé quelque chose. Non, y a rien. Ah. Parfait, on se casse d'ici. Ça reste les 30 minutes quand tu... Je sais pas. Je sais pas, mais j'aime pas. J'aime pas qu'ils mettent des trucs comme ça quand c'est trop long. Enfin, quand t'es trop lent, quoi.
Après, c'est une estimation que je me suis faite, hein, l'histoire de. Des 30 minutes, hein. Pour ça. C'est un peu chiant. Ils ont retiré la manivelle de la fenêtre. Ça ne s'ouvrait. Ça ne s'ouvrira pas comme ça. Je peux utiliser ça? Je peux utiliser ça. Wow, je passe par où là? Ah oui, d'accord. Toi, Sullivan, agent... Ok. Je peux rien prendre sur lui? Non. Ah. Je peux prendre ceci, s'il te plaît? Ah. Ok. Donc c'est là où on va dans la... Petite cabane, ta petite cabane, vie. Non. Ah. Si j'appuie sur B au lieu de A, ça va être compliqué. Je ne sais plus comment on va là-bas. Je ne sais plus. Ah, il y a encore les pendus, c'est une blague. La quoi, la manette? Bah la manette elle vibre en fait. Ah mais c'était là où il y avait le truc. Oh, vous faire quoi? Ah c'était le truc là, non? Je sais plus où c'est du coup. Instruction. Mais c'est marqué. Ouais, bref, j'ai l'impression de passer pour une débile. Je vais utiliser les solutions. C'est bon. J'ai pas envie d'avoir l'air plus con que ça. Ça, j'avais bon. Jusqu'à 200. Ça. Hop. Et le B. Ok. Et du coup, il fallait deux fois plus de péroxyde que de A. Ah. C'est le D. Donc ça, c'est bon. On va tenter. J'ose vraiment pas. J'entends un gling gling et je sais qu'il y a un QTE. Je me tiens prête à ne plus respirer. Un point commun, pas très flatteur, grave. An
Faut que j'avance. Ah. J'imagine qu'il faut suivre les traces de sang. On est d'accord. Ah, peut-être qu'il faut suivre ça. Putain, il m'a fait peur le mannequin. Ah, ici. Attends, on dirait les trucs dans Silent Hill là. Yes, yes, inquiétez. Enfin, yes, yes, je suis pas contente, hein, mais. Faut que je fasse quoi là? Encore! Porte démoniaque. C'est marqué, il faut pas sortir trop tôt, sinon on va mourir. On a plus le boum boum. On a la fin, les gens. On a la fin. On a la fin. Et après, j'arrête ce live. Je vais faire des cauchemars toute la nuit. Qui c'est qui se fait livrer des couches, la fée tournée? Comment ça? Qui c'est qui s'est fait livrer? Qui c'est qui se faisait livrer des couches, là? Fait tourner. J'ai pas compris ce que t'as voulu dire. Bon, je pense que c'est bon, hein. Ah, je peux pas avoir la carte. Attendez, là, parce qu'il va falloir se cacher. Alors, comment je peux me cacher? Je ne sais pas où il y a des cachettes. Tantôt une musique, réfugiez-vous vite dans une pièce voisine, sinon la présence va revenir vous hanter si elle vous trouve. Oh, c'est horrible. Il faut que j'aille dans une pièce. On peut rentrer dans toutes les pièces. Oh là là. Ah, peut-être que les pièces se débloquent. Ah. Attendez. J'ai peur. Hâte de voir l'épisode 3. Attends, je peux pas me cacher, c'est une blague. Ah! Ah si je peux, c'est bon. Allez vite. J'en ai marre. C'est bien par là, je crois. Oui, bah oui, ça refait la même chose que tout à l'heure, donc ouais.
C'est là. J'y suis. J'ai fait toutes les portes. Au moins, on était sûr de trouver quelque chose. Je vais me laver après ce live, trop sûr. Tu m'étonnes. Moi, je vais écouter une berceuse avant. Ok. Alors là, ils disent qu'il faut qu'on tourne sur nos pas, il faut pas qu'on s'occupe de la présence parce que ce sera une cinématique. C'est des mythos, je les défonce. Au pire, on suit le truc sorti, non? Ouais, ok. Ah oui, c'était bien. C'est ça mon QTE? Putain, on a connu pire. Hein. Où t'es qu'on sort? Ici. Oui, celui-là, pancarte, ouais, ça me paraît logique. Ok, on se casse d'ici. On peut pas couper la loupiote parce que la loupiote bleue, on s'en fout. Putain, j'espère qu'on a plus de QTE après. Hein. Je pète un câble, moi, sinon. Je vais pas mourir là. Sa maman, je vais me faire pipi dessus à force. T'inquiète, c'est bientôt fini. Ta maman n'aura pas besoin d'intervenir. Avance, s'il te plaît, j'ai pas envie de crever là. Cours René, mais c'est plus René. Putain, il garde sa lumière bleue, lui. Non, ça craindrait à mon âge. Tu m'étonnes. Là, vous avez plus le droit de me mettre des méchants. Je suis à la fin. Foutez-moi la paix. Je suis pas sûre qu'ils me foutent la paix, mais bon. Et encore, c'est pendu. C'est fait, c'est sur 23 ans, on va te changer. Il est beau, hein. Bel écran noir. There was father. God. Don't even. Mais on finit chapitre 2. What had happened in his final moments as he was hanging from that noose with the bloody music box on the table next to it. I don't want to think about it, but somehow very deep within me I know the song was playing. Throughout his agony, stalking him to the very frontier between life and death. God. At least we had found the music box, and we knew where it came from. The Grant Amesburg auction, it said, on the list of product lots, alongside an address. According to Husha, things had improved after returning the box to Faber.
So by returning it to its owner, perhaps we might be able to solve all this. Sounded unlikely, but considering my hallucinations, the things we found at the antique shop and Mr. Faber's terrible end, if it could all come to some good, we had to try it. Isolated far from the world, in a holiday manor that must be about 100 years old, the lady who owned the sinister box awaited us. For my little Ariadne read the engraving on the inside of the cover. Good. For her, then. I can't imagine an elderly woman living here. Some of the people from my group therapy, yes, perhaps, but an elderly woman approaching the age of 90? I don't know. The papers from the auction stated that the owner had sold most of her furniture, but that she still lived here. Mr. Grant, hello? Bon, c'est dans quoi va se passer l'épisode 3, hein? Oh. Hello? Are you Miss LeGrand? Ariadne LeGrand? Amsberg. Pardon me? LeGrand Amsberg. It's hyphenated. Oh. C'était Daniel, du coup, Nico. My name is Daniel Neuer. Tu sais, le Daniel que j'ai fait mourir dans l'épisode 1. Through a series of chance occurrences, I found something I believe is yours. It seems crazy, but when you listen to it... That's its box? No, I think it belongs to you. On the cover, it says... I wasn't speaking to you. Thank you for bringing it back, Mr. Neuer. Have you listened to it? Yes. He has listened to it. Ouf. Elle va mourir, non? Non? Ah. Thanks for giving me a place to stay. I think the walls would come closing in on me if I were alone. It's no trouble, Dan. You're going to be paying for any pizza, though. Of course. You can sleep in your bed. I'll stay here on the couch. Thank you, Your Majesty. Have a good rest, Sir Daniel. You too. Hey, Lydia? Oh non, il y a un truc qui revient. Et les sous-titres, c'est pour les chiens, même si je comprends ce qu'elle a dit. That had not been a nightmare. I was awake, for certain. It was a hallucination like those described by Faber in his letter, shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination, or something worse, much worse. Had it done any good to return the music box to its owner? Pasha might have the answer, but his whereabouts was still unknown. And his c'est lui qui a disparu. Okay. Days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers. Among the documents he was researching, delving into the box's origins. Maybe there would be some clue in there as to where he had gone, or what he had done. Something that would help us to follow his footsteps. To find Sebastian Husher, but this time my life depended on it. Ok, ça s'arrête net, tu sais. Encore un épisode bien tendax, hein. Non, bah c'était bien sympathique. J'espère pas faire trop de cauchemars cette nuit. Pour le coup, ça me ferait bien chier. Et ben, je vais arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Allez, des bisous.